Salut à tous pour cette nouvelle journée à Busan. J'espère que vous allez tous très très bien. Ici nous entamons la 24e jour du mois de juin. Le vlog touche bientôt à la fin pour la saison numéro 2. Aujourd'hui, rien de prévu, donc on va aller dans le resto et on va checker la carte ensemble pour voir la destination du jour. A tout de suite, à tout de suite. Et voilà, bienvenue dans le quartier. Annyeonghaseyo. En plus, dans ce petit restaurant du midi là, ça c'est devenu notre petit QG du midi, il passe toujours du Michael Jackson. Donc ça, pour se lever, c'est tranquille, c'est super bien. Ah bon, d'accord, on se réveille tard. J'aime bien ce petit resto là. Il est génial, il est génial. Une idée générale de la situation. Busan, tourist map. Voyez, nous, on est là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la ligne rouge pour monter. Et ici, vous avez une grande muraille en haut d'une montagne. Donc, on va rejoindre la grande muraille en haut de la montagne. Très bien. Ah, où est-ce qu'on est là? Là, aujourd'hui, c'est un Sihanouk. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre des vitamines. Là, on est en mode racaille aujourd'hui. Moi, je casquette. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est vitamine C taurine. Bah voilà, très bien, vous voyez, il y a poisson. Oh, vitaminé. Bon, voyez, nous on veut aller en haut de cette montagne qui est là-bas. Donc on a la direction de la montagne, c'est là. En haut de cette montagne, il y a une grande muraille qui fait une vingtaine de kilomètres. Par contre, normalement, pour y monter, on peut rejoindre un téléphérique qui devrait être par là. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est voir, c'est petit, tu vois. Non, parce que bon, les gens, hein? Alors, hé, hey. Oh, impeccable. Petite brise. Même deux impeccables. Non, pas deux là. Non, mais si c'est pas un cul-de-sac, c'est par là. Bon, on est bien. Oui. Peut-être bien. Peut-être trop bien. Dans 150 mètres, messieurs dames, attention, on va prendre quoi? Le téléphérique. Je sais pas pourquoi je chante ça. Quand vous finissez votre petite randonnée, vous avez. Ah, mais arrête! C'est la classe. C'est la classe. C'est que pour nous. Une petite nacelle privée. Alors, t'as loué le truc ou quoi, mec? J'ai tout réservé, mec. Moi, je suis comme ça, tu sais. Il y a des personnes. Ah oui, non, mais j'ai réservé, je t'ai dit. Attention, mesdames et messieurs. C'est parti pour l'ascension de la montagne en téléphérique. Tu veux fumer, quand même? Ici, ça déboîte. Attention. Là, c'est pas mal. Attention, attention. Ah, c'est ouvert. Là, ouais. Ou là, voilà. Moi j'aurais dit là. Bah ouais. Ah ouais. Non. Bah je sais pas, moi j'aurais dit là. Non mais là, la forêt. La forêt est magnifique. Qu'est-ce que je vous dis? C'est là. C'est là. T'as réservé la montagne avant de venir, c'est ça? C'est hallucinant. Oui oui oui, tout droit c'est bien. Ça monte, ça monte. Nous venons donc de rejoindre la porte sud de la forteresse. Très bien, donc on a la porte sud et on va longer la muraille pour rejoindre la porte est. C'est parti. Second Watch Tower. À mon avis, tu dois avoir une bonne vue d'ici. Effectivement, tu as une vue sympa. Putain, c'est vachement montagneux, Busan. Je pense pas que c'est autant montagneux. Bon, la forteresse, elle est pas exactement comme on s'attendait à ce qu'elle soit. En fait, aujourd'hui, on fait un trek. Ça nous manquait, les judo. Plus que marcher là, ça fait 3 quarts d'heure qu'on marche. Bonjour, c'est bon. Wow. Ah, voilà, c'est une très très jolie vue là. Hein? Carrément. Avec un beau temps, la vue doit être vraiment magnifique. Je vous conseille de venir là, ouais, carrément. J'ai fait la bêtise en fait de m'allonger. Non, 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 t'allonge pas, t'allonge pas. C'est un meilleur caillou là-bas. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est en haut de ce caillou. À papoter, on est bien là. Voilà, on a une belle vue, le silence. À part un oiseau qui creuse un trou dans un arbre, là. Ça va être un pivert, c'est ça? C'est un pivert? Ouais. Mais là, on est bien. On a une motivation extraordinaire pour continuer la suite du trek.
Bon, t'allonges pas, on s'en va, t'allonges pas. Attends, attends. Non, c'est pas la salle. Là, c'est beau. La muraille à droite, c'est pas mal. C'est des cailloux. Et toi, cette aventure, ça aurait été les flammes, les cailloux. Y'a pas un autre truc? C'est toi qui dis cailloux. C'est toi les cailloux. Non, c'est toi qui dis cailloux, moi j'ai quitté une montagne. Ah, il est fatigant. Là, quoi? La porte, la voie, elle est là. D'accord? Ouais. Mais après, c'est... Bah, elle est jolie déjà. Tu vois, là, ça fait bien, tu vois. Moi... Prends une photo, là. Prends une photo. Fais une photo. C'est là-bas, la photo. Et après, bah après, après la porte. Après la porte, il y a pas mal de trucs à faire dans le coin là. C'est trop lourd. Bon, on est toujours dans la forteresse, dans la porte est là. Là, on voulait finir. Là, on entend quelques animations qui viennent de l'intérieur et une petite odeur de barbecue. Donc, on va voir s'il y a quelque chose à faire par ici. sent bon. Très bien. Bon allez, on entame la descente et on va se trouver un petit truc tranquille pour manger en bas. Bon bah finalement il y a eu un taxi, donc on prend un taxi. Donc là on est retourné à la station de métro où on était tout à l'heure, il y a un énorme store Lotte, centre commercial Lotte. Et là il y a une petite rue sympa avec plein de petits restos, donc on va rester là dans le coin pour faire pour explorer un peu ce soir, manger un petit bout. Shanghai et tout là. C'est un plaza. Plaza y'a pas à manger? Bah dans la Shanghai si, en Taïwan aussi. En Corée je sais pas. Là on est monté au quatrième là. Mais c'est le quatrième là. Oui, je sais. C'est pas le bon ascenseur. Je vais vérifier. Quoi? Bien ce côté là. Les restaurants sont au 8ème étage. C'est pas mal. Attention. Ça? Est-ce que t'es prêt à avoir une vue de ouf? Bah là, on descend pas tout de suite. Non. Faudra attendre un peu la vidéo. Ouais, avec le drapeau, ça pète. 7ème. Ouais. Des hamburgers. Pas mal. Et bah quoi? Pepsi, Pepsi. Bah ouais, c'est comme ça, des fois ça arrive. Alors là, on n'est pas dans un McDo, ni dans un Burger King, ni dans quoi que ce soit, on est dans un Lotte Burger. Lotte, c'est la grosse branche coréenne où il y a des grands bâtiments Lotte, c'est une grosse industrie ici. Là, c'est dans un Lotte Burger, ils font à manger, ils font des bâtiments, ils font enfin, plein de choses. Tu restes trop longtemps aussi. Quoi, c'est l'ascenseur là, non? Ah oui, c'est l'ascenseur là-bas. Je sais pas, ah non, c'est rien en fait. Moulin Rouge. Ouais, c'est cinéma, pas le... Lotte Cinéma. Ils font des cinémas aussi. C'est écrit en français partout en fait. Le petit chien. Caniche non, caniche. Tiens, hop. Voilà, de retour dans le guest house. Là il est pas très tard. Guest house, il est 11h15. Pas très tard, ça rime. Je viens tout juste de vous terminer la vidéo, c'est vrai, super. L'heure du Ricard. On va pouvoir comme ça se coucher pas trop tard. On va arrêter avec les mains en A. Parce que là on prend trop de retard. Stop, ça suffit. Donc c'est bien, on va se coucher tôt parce que là on avait pris vraiment, on commençait vraiment à prendre un sale rythme. On espère qu'il fasse beau et qu'on puisse profiter un peu du soleil. Profiter. T'as dit profiter. Profiter un peu du soleil à Busan. Là aujourd'hui c'était tranquille, et demain on continue l'aventure, je vous remercie toujours de suivre, j'espère que ça vous plaît, et je vous kiffe vraiment. Vos commentaires ils sont top, vous me faites mourir de rire. À demain, passez une très bonne soirée, ou un très bon réveil, et hasta la vista. Oui c'est bon, j'ai pas plus. Merci.